Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul, enfin la suite du book haul du mois de juin. Donc la deuxième partie, parce que moi bon, clairement j'ai déjà craqué pas mal en début de mois et voilà, fin du mois, on est le 19-20 et j'en ai encore pas mal à vous présenter et enfin voilà, mais là c'est vraiment les derniers, franchement, là je m'arrête. Là j'ai décidé de faire un no buy jusqu'à mes vacances en fait. Donc je suis en vacances dernière semaine de juillet, les deux premières d'août. Voilà, donc j'ai ma soeur qui vient à la maison. Donc vu qu'elle est aussi déjantée que moi niveau bouquin, je pense que je vais craquer pas mal pendant mes vacances. Donc c'est pour ça que je préfère faire un no buy maintenant. Vraiment voilà, j'achète rien. Je vais essayer. Mais normalement, enfin, quand je me tiens à quelque chose, normalement je le fais. Donc non, là, normalement il n'y aura pas de book haul du mois de juillet. Là, ça sera un book haul vacances que je ferai voilà, pour fin août, je pense. Donc il y aura peut-être des achats voilà, la dernière semaine de juillet, ma première semaine de vacances peut-être, mais c'est pas sûr, franchement. Donc je vais essayer de m'y tenir, mais il faut vraiment parce que là. J'achète et là avec la chaleur je ne lis quasiment pas. J'ai commencé l'élite, enfin le dernier tome de la saga L'élite de Joël Charbonneau, c'est la dernière épreuve il me semble. Et j'arrive pas à rentrer dedans et clairement la chaleur n'aide pas. Voilà. Enfin voilà, je vais lui dire que c'est la chaleur. Mais ouais, j'ai vraiment du mal à lire en ce moment. Donc on va attaquer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue comme d'habitude. Hein, voilà. Donc il y a de tout, il y a du neuf, de l'occasion, et j'ai oublié des trucs. Donc voilà, j'ai été chercher ce qui me manquait. Donc dernièrement, j'ai passé une petite commande sur Momox. J'avais mis des alertes, il y avait quelques... Il y en a qui étaient rasés. Donc j'ai commandé le tome 9 des elfes. Donc c'est le siège de Kandala. Donc comme d'habitude, il est très beau. Il est en parfait état. Je suis très contente, franchement. Je ne sais plus à combien je l'ai eu. Mais voilà, je ne l'ai pas payé plein pot quoi. Mais il est en super état, je suis super contente. Voilà, et là du coup il me manque le tome 8. Le tome 8 et 7 je crois. Je suis en train de lire le 6. Voilà, il faut que je trouve le 7 et 8 en occasion. Et voilà, donc je suis super contente. Voilà. Et dans la même commande, j'avais aussi commandé donc, le premier tome des nains. Donc là, c'est Redwyn et la Forge. Pareil, donc sur Momox. C'est la lecture en cours de mon homme. Hein, ça va faire quasiment une semaine qu'il est dessus. Hein. Il doit lire une planche. Le soir avant de se coucher, enfin il s'endort dessus je pense. Donc ça ressemble énormément à. Enfin voilà, ça ressemble énormément aux elfes et ça me donne très envie. Pareil, vous avez la carte au début. Je sais même pas si c'est pas la même carte. Oh. Si c'est la même carte. Donc ça se passe dans le même univers en fait. Donc c'est super cool. Voilà. Donc, je sais pas trop à combien je l'ai eu, mais bon, je l'ai pas eu. Voilà, ça c'est un exemplaire qui vient de chez Leclerc par exemple. Et, il est en bon état. Et il y a le cahier graphique à la fin. Donc c'est cool. Enfin voilà. Ça c'est vraiment des BD que je vous recommande. Ils sont trop belles. Ensuite j'ai dû faire mon achat de la saison chez France Loisirs. Donc je me suis reprocuré du moins le tome 3-4, donc le tome 2 chez France Loisirs de Sophie Jomain, donc de Félicité Alcock. Donc c'est Les anges sont de mauvais poils et les anges sont sans merci. Bah, je l'avais celui-ci mais Sophie me l'a dédicacé au nom de ma soeur. Donc du coup bah, je me le suis racheté pour moi et je donnerai bah, du coup le tome 2 dédicacé
à ma frangine. Voilà. C'était le dernier, donc je l'ai pris. Il est pas, enfin, il est un petit peu corné en bas, ça m'ennuyait, mais bon, c'était le dernier. Et je me suis dit, je vais le prendre avant qu'ils y soient plus, quoi. Voilà. Du coup, ma frangine va commencer à avoir les pétoches là pour les avoir en fait, parce qu'elle va être obligée de se faire la collection dans cette édition là, du coup. Donc, Serette, hein, va les chercher si. Si t'as un François-Dire pas loin, vas-y, à mon avis, parce que ouais, je suis pas sûre qu'ils soient réédités après, enfin voilà. Renseigne-toi, mais moi j'ai eu peur qu'ils y soient plus, donc il n'y avait plus que celui-ci et le tout dernier là, le tome 3, les rouges. Je sais même plus où c'est que je les ai mis. Dès que j'ai rangé ma bibliothèque il n'y a pas longtemps, oui, c'est le 3. Donc voilà. Donc il va falloir que je m'y remette, parce que j'ai lu que le premier tome pour l'instant. Voilà pour ça, mais bon, c'est du Sophie Jomain, je vais tous les lire. Ensuite, toujours à France Loisirs, je me suis pris Nos âmes jumelles, donc de Samantha Bailly. Je l'ai eu 10 euros, enfin 9,99 €. Et encore, je crois que j'ai eu des réductions avec ma carte, donc voilà. Donc il est sous blister, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, comme ça il est 9,99 €, personne l'a touché. Donc il est en super état. Donc voilà, je le voulais. Il y avait aussi le deuxième tome de disponible, mais bon, moi je suis pas. Je vais commencer à lire celui-ci. Si ça me plaît, j'achèterai le deuxième. Peut-être avant, ça dépendra. Si jamais j'ai un autre achat à faire à France Loisirs, je le prendrai peut-être si je trouve rien d'autre. Voilà. Ensuite, où est-ce que je l'ai trouvé celui-ci? Je l'ai trouvé à Emmaüs, il me semble. J'ai trouvé le tome 4 de la saga des damnés, donc Volupté, donc c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Enfin, il est super beau, il est en très bon état, je dirais qu'il est même franchement, j'ai dû l'avoir à quoi, 3 euros, sachant que à chaque fois j'en ai un qui passe un petit peu. Voilà. Mais il est super beau, donc c'est de Lauren Kate. Donc, ils sont juste trop beaux ceux-ci. Donc j'ai le premier tome qui est quelque part. Voilà, je sais plus où j'ai rangé ces trucs-là. Je sais plus. Mais il est quelque part, c'est sûr. Mais oui, j'ai rechangé toute ma bibliothèque dernièrement. Ça m'a pris des plombes, mais voilà. Je vois, pour l'instant j'aime bien. Mais ça va sûrement bouger vu tout ce que j'ai à remettre dedans. Donc normalement neuf, ça coûte 16,06 €. Voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Il faut que je trouve les autres maintenant, mais bon, je pense que c'est un peu plus difficile, je pense, à les trouver. Et sur Momox, je commandais surtout pour celui-ci. Parce que bon, j'avais trouvé les deux premiers à cash. Donc il me manque encore un d'ailleurs. Il m'en manque encore un, il manque le dernier tome. Donc là c'est le troisième tome, donc c'est Tricheuse de Anna Godbersen. Donc c'est la saga Deluxe ou Rebelle, je crois que ça s'appelle. Donc voilà. Neuf, ça doit coûter. Ouais, ça coûte 17 € et je sais plus à combien je l'ai eu, mais il est en parfait état. Je suis très 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 contente. Et celui-ci, l'édition Albin Michel. Les deux autres que j'ai, ils sont en édition en France Loisirs. Non, c'est clairement, je vais galérer à les retrouver dans la même édition. Mais bon, là, les couvertures match, voilà, la tranche, ouais. Oui, c'est la tranche match. Donc, moi, ça me va. Ils sont trop belles. Voilà. Ils sont trop beaux, ces bouquins. Ensuite, toujours, non, pas toujours à Momox, non, c'était le dernier chez Momox. Celui-ci, je l'ai trouvé à Emmaüs et je m'y attendais vraiment pas. J'étais, what? Un lumen à Emmaüs. J'étais waouh, j'étais sur le cul, donc celui-là j'ai pas mis longtemps à le prendre. Hein. Donc c'est Let the Sky Fall, donc de Shannon Messenger, et donc c'est un lumen et il est en super bon état. Et je suis trop contente. Voilà, pareil, j'ai dû l'avoir. Oui, voilà, il était à 3 €, donc je l'ai mis à 3 €. Ah, il est tout neuf, il est trop beau, trop contente. Et c'était dans ma wishlist. Donc voilà, super contente. Donc c'est mon deuxième lumen. Voilà, le premier que je m'étais acheté, c'est The Effigies. Il est un petit peu plus haut. Ouais. Mais voilà, trop contente. Mais c'est une brique. Hein.
Ensuite, toujours à Emmaüs, dans les côtés, au côté poche, j'ai trouvé la bibliothèque des cœurs cabossés. Vous voyez qu'il est un petit peu cabossé. J'arrive pas à voir la surveillance. Ah, il est un petit peu, ouais. Bah, il a été lu, quoi. Ouais. Je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, aux éditions, j'ai lu. C'est de Katharina Bivald. J'en ai entendu parler. Et voilà. Il y a une petite. Je sais pas s'il était lu en entier ou si c'est un marque-page. Enfin, je sais pas. Mais bon. Il est très bien noté sur Livre Addict. Donc, voilà. Je le voulais. Je l'ai pris. Sélection page des libraires. Bah oui, il a été pas mal. Ensuite, tu trouves un DVD, Winnie? Voilà. Donc, à Emmaüs, c'était le jour où c'est que les DVD étaient à 1€, je crois. Donc, voilà, un Winnie l'ourson. Le monde magique de Winnie l'ourson, c'est le 7. Voilà. Du coup, on sera content quand il sera en âge. Ensuite, toujours à Emmaüs, j'ai trouvé le cercle littéraire des arracheurs. Non, des amateurs d'épluchures de patates. Pourquoi je dis les arracheurs? Donc pareil, il est tout neuf. Il est tout neuf. C'est aux éditions Nil. Il est très très bien noté, celui-ci. J'ai le petit bandeau, voilà, qui est à l'intérieur, du coup. Donc, mais ouais, il est tout neuf. Pareil, je l'ai eu à 3€. Il a peut-être... Il a un... Je sais pas si c'est normal. Non, ça, je pense pas que c'est normal. Il y a le haut de la... Voilà. Qui est un petit peu... teinté, mais bon, c'est pas, on a un très bon état. Moi, franchement, c'est relativement écrit gros, ça devrait se lire relativement vite. C'est pas mal, c'est un échange de lettres. Il y a des cartes, donc voilà, très bien noté sur Livre Addict. Du coup, j'ai pris. Hop, je vais remettre le bandeau. Quoique le bandeau, je vais le jeter. Absolument délicieux. Un agueult. Ouais. Donc c'est de Marie-Anne Schaeffer et Annie Burroughs. Voilà pour celui-ci. Mais ouais, super contente. J'y allais en plus. Enfin, j'allais à Emmaüs comme ça. Je m'attendais vraiment pas à trouver quoi que ce soit. Parce que plus j'y allais. Enfin, voilà. J'y vais relativement souvent quand même. Et voilà. Je me dis, bon, bah, je vais rien trouver, hein, clairement. Mais finalement, je trouve. Et toujours à Emmaüs, j'ai trouvé Sœur Sorcière, donc c'est le tome 2 donc de Jessica Spotswood. Bon, il n'est pas super, voilà, il est pas en super bon état de ce côté-ci, mais bon, voilà. Ça m'a toujours tenté, et enfin, je ne trouvais pas, et ce n'est pas des trucs que j'achèterais neuf, ça. Donc voilà, j'ai dû, ouais, pareil, j'ai dû à 3€. Ah, mon petit ticket. Donc ce jour-là, j'en avais eu pour 10€. Voilà. Donc oui, j'en ai peut-être eu plus d'un gratuit, en fait. Donc voilà. Je suis contente. Il m'en faut peu, moi. Mais voilà, je suis contente. C'est écrit gros, quand même. Les débuts de chapitre sont pas trop moches. Et puis maintenant, je vais vous en trouver un. Alors, je vais continuer avec l'occasion. J'ai trouvé... Ah non, ça c'est en raiderie. Ouais, là, ça c'est lors d'une raiderie. J'ai trouvé... Dans quel ordre ça va? Je pense que c'est celui-ci. J'ai trouvé un tome de Night School, donc c'est Rupture. Je sais plus trop lequel tome c'est. Voilà, c'est le tome 3. Il manque le tome. Bah, il y avait le premier et je ne l'ai pas pris parce que je l'ai déjà lu et c'est pas des livres que je vais garder dans ma bibliothèque, je pense aussi. Donc je pense pas. Du coup, je ne l'ai pas pris. J'ai pas eu le réflexe de le prendre et me dire ah oui, je l'ai lu donc je ne l'ai pas pris. Mais enfin voilà, c'est chez Robert Laffont dans la collection R. Ça va. Je l'ai eu à combien? Je l'ai eu à 2€. Mais donc j'ai eu celui-ci et il y avait aussi
fin de partie. Donc il me manque le tome 2 et le tome 4 en fait. Donc toujours dans la collection R de Robert Laffont. Là, la couverture est un peu plus morflée. Mais enfin voilà. Je vais essayer de me les procurer tous en occasion, les lire. Mais je pense pas que je vais les garder dans ma bibliothèque, ceci. Je pense pas que je vais aimer de ouf. Alors, donc voilà, ceci, j'étais contente de les trouver. Je vais essayer de trouver les deux tomes qui me manquent et peut-être le premier. Voilà, si vraiment j'accroche avec la suite et que je veux les garder dans ma bibliothèque. C'est vrai qu'ils sont pas dégueulasses, quoi. Ils sont quand même beaux, quoi, ces livres. Mais voilà. Voilà, ceux de la collection, de toute manière, je les aime beaucoup. Vous voyez, tous ceux que j'ai, ils sont tous là. Voilà, j'aimerais bien en avoir plus, mais bon. 17,90€. Dès que ça arrive à 17€, les bouquins, j'ai un petit peu de mal à les acheter. Moi. Je sais pas vous, mais voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours avec la même vendeuse sur la raiderie. C'était où d'ailleurs? C'était à Saint-Fuissien. Pour ceux qui connaissent. Hein. J'ai trouvé donc un tome de Hunger Games. J'ai du mal à parler ou je parle trop vite, je sais pas, mais ça avait l'air d'être bizarre ce que j'ai dit là. Donc Hunger Games, donc La Révolte de Suzanne Collins, donc chez PKJ cette fois-ci. J'ai les deux premiers tomes, ils sont juste là, mais je les ai chez Françoisia. Mais voilà, ça match. C'est la même taille, voilà, ça, il y a juste le sigle PKJ en dessous. Mais voilà, c'est pas grave. Franchement, hein, je vais me taper là. Donc très contente, mais pareil, du coup, il va falloir que je re-range ma bibliothèque pour que ça rentre dans la case qui était pleine. Mais voilà, contente d'avoir ce tome-ci qui me manquait. Et il va peut-être falloir que je les lise aussi, ceci. Parce que oui, je n'ai pas lu Hunger Games. Voilà. Ensuite, toujours en raiderie, je sais plus si c'est la même par contre. Et je vois qu'il est en piteux état maintenant que je regarde. Mais bon, c'est pas grave parce que ça, c'est des livres jeunesse. Et ça, je compte juste les lire et après, bah, je les revendrai, clairement. Donc, j'ai trouvé un tome des romans de filles. Des romans. Non, le roman des filles, je vais y arriver. Donc, j'ai déjà deux tomes qui sont juste derrière mon huc. Pareil que j'avais trouvé à Cache ou Emmaüs. Donc, j'avais celui-ci. J'ai celui-ci. Et maintenant j'ai celui-ci. Donc je sais pas trop, c'est ça qui est embêtant, c'est que vous n'avez pas de numéro de tome ou quoi. Je sais pas trop si ça se lit en même temps ou pas. Donc celui-ci c'est Confidence, SMS et Prince Charmant. Je crois que c'est peut-être le premier celui-ci. Si je regarde, déjà paru, Confidence, SMS, voilà. Ça c'est le premier. Il va me manquer le deuxième si je comprends bien. Ça c'est le troisième. Et celui-ci, je sais pas. Mais c'est pas écrit. Je sais pas pourquoi ils font ça, les éditeurs. Ah si, là c'est écrit 4. Là c'est écrit 4. Mais ça, c'est les éditions France Loisir. Donc voilà, ils n'ont pas la même taille entre les Fleurus et. Mais bon. Là, je les classerai peut-être. Je ferai peut-être quand même un classement par couleur dans un endroit de ma bibliothèque. Je sais pas trop où. Va falloir que de toute manière, quand je me fasse une autre bibliothèque ailleurs. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est le premier tome. Donc je suis contente. Voilà. Ensuite, encore un numéro 9. C'est le dernier. Désolée, donc je suis allée manger en ville l'autre jour et voilà, j'ai été faire un petit tour chez Martel et à chaque fois que je vais chez Martel, j'ai envie de tout acheter. Voilà, mais bon, je me suis limitée à un livre je me suis pris un Lumen. Donc le dernier Lumen paru, c'est le Shade of Magic de V.E. Schwab. On va dire que ça se dit comme ça. Hein. Il est trop beau. Trop beau. Et voilà l'effet 3D derrière des mains, c'est trop bien. Et je le trouve trop beau. C'est une brique par contre. Mais voilà, il est trop beau. Donc celui-ci, je l'ai payé 15€.
Mais franchement, je trouve que là, voilà, 15 euros, c'est une brique, il est très très beau. Et à côté, vous avez la collection R, ils sont à 17,90 et ils sont moins gros. Et enfin, voilà. Donc, je sais même pas si je vais lire papier, clairement, parce que je vais avoir peur de l'abîmer, peur de le casser. Mais il est trop 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 beau. C'est relativement écrit gros quand même. Donc là, on a combien de pages? Plus de 500 pages? Ouais. On va dire 505. Ouais, 504 pages. Donc, mais il est trop 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 beau. Il me faisait tellement envie. Enfin, dès que je l'ai lu sur Booknode, dès que je l'avais vu qu'il allait sortir, ouais, j'étais là, il est magnifique. Et en vrai, ils sont encore mieux. Trop beau, trop beau, trop beau. Et lui, il m'intrigue trop avec ses yeux verrons. Mais voilà, je pense que je vais aimer. J'aime de plus en plus, enfin voilà, ce genre de roman. Donc voilà. Et donc encore une nouvelle saga, hein, qui. D'ailleurs, il faudrait que je la rajoute à une de mes à ma préparation de ma prochaine vidéo sur une vidéo spéciale saga, hein, parce que voilà, ça rentre dans ma balle et voilà, encore une nouvelle saga donc que je n'ai pas commencé mais qui me fait très envie. Voilà. Donc je sais pas, je pourrais le mettre à jour constamment en fait cette vidéo. Il faudrait que je la mette à jour, oui, constamment, parce que je vais toujours acheter des nouvelles, des nouveautés. Enfin, c'est sans fin, je dirais. Ça me fait très peur. Donc voilà pour le book haul du mois de juin. Beaucoup trop de livres, je dirais. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 livres. Ça devrait être pas une deuxième partie, ça devrait être juste voilà, une partie normale. Ça devrait être juste ça, le book haul du mois de juin, mais non. C'est la deuxième partie. Donc ouais, je crois que j'abuse un petit peu. Mais en même temps, je peux pas les laisser dans les rayons, quoi. Enfin, surtout pour Emmaüs, quoi. Ça me fait tellement contente de les trouver. Je peux pas les laisser. Je peux pas. Donc dites-moi en commentaire sur lesquels vous avez craqué ce mois-ci. Hein, quelle sortie vous n'avez pas résisté. J'aimerais bien aussi vous faire en vidéo les sorties des mois à venir qui me font très 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 envie. Mais avec une seule vidéo par semaine, j'arrive déjà pas à. Enfin, c'est déjà compliqué. Je voudrais vous en poster tellement plus, mais. Voilà, je manque de temps pour le montage, je manque de temps pour les filmer, je manque de temps. Enfin, je manque de connexion surtout pour les uploader, tout ça. Et là, en plus, avec la chaleur, j'ai cru que j'allais perdre mon PC il n'y a pas si longtemps que ça, parce que il était en train de rendre une vidéo depuis. Comment ça s'appelle, mon logiciel de montage déjà? Sony Vegas Pro. Et elle était en train de rendre, mais il a tellement turbiné que pouf, il s'est arrêté. J'y ai pas retouché sur le moment, hein, parce que moi je le fais tourner la nuit. Voilà, je fais ça la nuit quand c'est des longues vidéos et tout, pouvoir faire quand même quelque chose sur mon PC la journée quand je suis là. Donc je fais ça, je vais y arriver. Je fais tourner ça la nuit. Et là, il a pas voulu. Et la nuit d'après, je l'upload sur YouTube. Voilà. Moi les nuits, mon PC carbure à mort. Mais j'ai pas le choix avec la connexion que j'ai de merde. Je peux pas faire ça la journée. Je pourrais rien faire à côté. Et je vais pas laisser mon PC tourner alors que je suis pas à la maison. Voilà. Donc s'il tourne la nuit, je fais comme je peux. Je crois que j'ai ma soeur qui est en train de s'acharner à m'envoyer des messages là. Je sais pas si vous l'entendez. Donc ouais, sœurette, t'attends 2 minutes. Donc je vous fais des bisous et bah, je vous dis bah, à dimanche pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si elle sera livresque ou autre. Ça dépendra de laquelle j'aurai monté en premier. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis bah, à bientôt.
pour la prochaine. Ciao. J'ai oublié des trucs. Que je fais, je vais les chercher. Je sais même pas ce qu'il en a fait. Si. Je reviens. Moi ouais, je pars avec la plate. Ah non, j'ai mes cheveux qui se prennent dans mes cils et c'est pas très très agréable. Ah, mon téléphone.